Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo, je vais vous poser une petite question. Donc voilà pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos que j'ai sorties, donc j'ai obtenu le fameux Dofus Emerald, donc hier j'ai posté la vidéo. Et hop, on va mettre notre petit chapeau. Donc je voudrais faire cette vidéo tout simplement parce que je vais mettre en place, donc dans la description il y aura un lien vers un sondage Stropole, donc c'est un bête truc, vous cliquez dessus, vous faites choisissez un choix, vous faites voter et puis voilà. Et moi je reçois les votes et comme ça, enfin je vois ce que vous préférez voir. Et je vous fais donc cette vidéo pour vous proposer trois séries qui peuvent arriver. Donc on va rester autour des quêtes, des Dofus et des choses comme ça. Parce que ben, j'ai vu que pour les personnes qui voulaient le faire, ben, c'était vraiment, vraiment pas mal. Et comme j'avais dit que je partirais plus dans un optique de tuto, eh bien je trouve ça pas mal de vous proposer l'acquisition de certains Dofus. Donc comme le Emerald est déjà fait, on peut le retirer de la liste. Donc ce que je vous propose, c'est de 1, le Dofus Kawott. Je vais l'écrire comme ça, vous le voyez. Le Dofus Kawott. Donc le souci, en fait, je vais vous dire, il y a trois possibilités de le faire, mais il y a trois petits problèmes. Donc soit je le fais avec mon roublard, donc ce sera assez vite fait, mais je ferai toutes les quêtes ainsi de suite avec vous. Soit je le recommence, enfin je le fais avec un autre perso, parce que le souci c'est que quand vous faites la quête du Dofus Emerald, ben, il y a besoin de beaucoup de quêtes de prérequis avant de pouvoir entre guillemets commencer la série de quêtes. Et le souci c'est que ces prérequis là, enfin les quêtes prérequis sont aussi utiles dans le Dofus Kawott, donc en fait il me reste plus que 5 ou 6 quêtes à faire, je vais dire, pour avoir le Dofus Kawott en fait. Donc si je le fais avec le roublard, ce sera assez court, mais bon, on aura vraiment toutes les quêtes qui ont à voir avec l'île où habite. Donc c'est une série qui peut se finir assez rapidement, mais que je peux faire même si j'ai déjà le Dofus en plusieurs exemplaires, même si j'ai jamais fait vraiment la quête à fond, puisque je les avais déjà achetés d'avant. J'avais des mauvais jets qui sont passés à 60 maintenant avec la mise à jour. Et voilà. Ensuite, le Dofus des glaces. Donc celui-là, je me rends bien compte avant tout que même si je commence à faire ces quêtes-là, j'arriverai sûrement jamais au bout. Parce que de 1, ben, on va dire niveau quête Frigost 1, Frigost 2, ça devra aller. Puisque voilà, j'ai déjà accès à Frigost 3, j'ai déjà fait le Mrs. Freeze et tout ça. Donc à moins que j'arrive à faire toutes ces quêtes-là, faudrait que je passe aux quêtes de Frigost 3, qui elles sont extrêmement difficiles et sont un peu dures à faire tout seul. Donc si je les fais, j'aurai vraiment besoin de beaucoup d'aide parce que va falloir que je vainque, enfin que je batte le compte à rebours. Donc avant de vaincre le compte à rebours, pardon, il faut vaincre les 4 donjons de Frigost 3. Donc j'en ai déjà un sur les 4. Je vais vous montrer ça. Alors on va sur la baleine. Donc voilà. Donc il y a 4 donjons. Il y a... Ah merde, on les voit pas. Enfin soit, il y a la Mrs. Freeze, le Szilárd, le Klim et... J'ai un trou de mémoire. Et le Nilesa, voilà. Et j'ai déjà fait Miss Freeze, donc faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait me faire passer Nilesa, Szilárd et... Oh putain, je sais plus maintenant. Et Klim, voilà. Et ainsi que le compte à rebours, mais je pense qu'il y a pas mal de... Enfin, je connais pas mal de gens à CTHL qui ont des teams et tout ça, donc je pense que c'est possible, mais ça va mettre beaucoup plus de temps que le Dofus Emerald, que c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est des quêtes qui parfois se font en plusieurs jours, donc ce sera des quêtes en plusieurs parties, ainsi de suite. Et le troisième, c'est le Dofus Ocre. Qui, encore une fois, c'est une quête que je pourrais recommencer à zéro, mais que le souci, c'est qu'elle a déjà commencé sur mon roublard, et comme vous voyez, je suis déjà à l'étape 13. Et il y en a 35. Donc il y en a encore pas mal à faire. Et enfin, niveau vidéo, je sais pas trop comment ça peut comment dire, se goupiller. Peut-être qu'on aille capturer les persos, enfin les monstres ensemble, mais c'est assez chaud parce qu'il y a des fois, genre là, les gamins Zod, ben, il faut avoir l'alliance qui est dans ce...
qui est dans ce secteur-là et ainsi de suite. Enfin, c'est assez galère le Dofus Ocre, mais on me l'a proposé, donc je me suis dit, si c'est ça que vous voulez voir, si vous voulez voir un truc qui galère, qui n'avance pas, ben, votez le Dofus Ocre, j'ai envie de dire. Après, il y a aussi le Dofus Calyptus, mais c'est assez simple à faire parce qu'on l'a fait hier avec Jax et on a fait simplement le donjon Skunk et voilà, j'ai eu un Dofus Calyptus. Et après, il y a donc le Dofus Émeraude, ça c'est déjà fait. Il y a le Dofawa, on l'a déjà. Il y a le Dofus Pourpre, c'est du drop, mais apparemment, ils vont le passer en quête, donc ça va être un peu comme le Dofus Émeraude et le Dofus Kawott. Ce sera au bout d'un succès, on le débloquera. Il y a le Dofus Turquoise, qui lui aussi c'est un drop sur le Dragon Cochon. Donc on pourra peut-être faire des tentatives de drop Dofus Turquoise, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pourrais encore proposer? Donc niveau vidéo, je peux vous faire le Calyptus, le Turquoise, le ocre, le glace et le kawott. Voilà, le Dofawa on l'a déjà, le Emerald on l'a déjà, le pourpre c'est du drop impossible, je veux dire. Faut vraiment farmer le putain, comment ça s'appelle? C'est un gros dragon là. Attendez, on va regarder ensemble. On va tomber dessus. Le Crocabulia, voilà, le croquin. Donc voilà, bah, petite vidéo de 6-7 minutes, voilà. Donc je vais vous faire le straw poll que je mettrai, donc le sondage que je mettrai en dessous de la vidéo. Il y a un vote par personne, bien sûr. Je vais le laisser tourner, je sais pas moi, allez, je sais pas moi, 4-5 jours. Enfin, je verrai bien quand il y aura vraiment une série qui se démarque des autres. Et bah, enfin, quand j'aurai décidé, en fait, quand vous aurez voté, je déciderai de la série que je vais faire. Et je commencerai, je ferai le premier épisode, et ainsi de suite. Mais j'oublie pas, je vais toujours faire du LOL, du World of Warcraft, du Hearthstone que je vais faire bientôt. Et donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas d'aller voter pour le sondage. Et je vous dis à ciao ciao. Salut salut.